une barrière de protection en fait pour les escaliers pour les enfants de la marque Oak. Donc c'est une barrière que j'ai installée donc à l'étage de ma maison pour protéger en fait l'escalier de mon enfant qui commence tout juste à marcher. J'ai fait beaucoup de recherches pour avoir une barrière en fait qui soit assez qualitative mais en même temps facile à manœuvrer pour les parents, c'est-à-dire d'une main. Et puis donc évidemment sécuritaire pour que l'enfant puisse pas l'ouvrir lui-même. Donc au niveau du système de fermeture, ce qui est bien c'est que donc là quand la barrière se ferme, on entend un petit clips que ce soit en haut ou en bas. Quand la barrière est clipsée, du coup, c'est absolument sécuritaire. Hein. L'enfant peut jouer avec, il peut la bouger, etc. C'est très bien fait. Pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer avec le pouce et en même temps de pincer ici en dessous. Donc, j'appuie et j'ouvre la barrière en fait. Donc, voilà. J'appuie ici avec le pouce et ici en dessous avec le majeur. Et j'ouvre directement la barrière. L'avantage aussi, c'est que quand on la laisse, en fait, elle se referme toute seule. Donc pas en entier, mais au moins il n'y a plus qu'un petit clips à faire pour la fermer directement. Un autre avantage de cette barrière, c'est qu'on peut la faire s'adapter en fait en tournant ici la petite molette. Comme ça on peut gérer l'espacement d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas de trou à faire, donc c'est sans vis. En l'occurrence comme nous, si on est dans une maison de location, bah, c'est parfait. Que ce soit en haut comme en bas, donc on peut la faire s'adapter sur la largeur. Voilà, et donc après, donc on a notre système d'ouverture et de fermeture.